merci pour la confiance, pour la fidélité. Tellement. Et bien, il y a solo la plus, il y a un bandi, monte la bino. La législative nationale, il y a le 20 décembre 2023, c'est le cours constitutionnel, a se prononcé, il y a jeudi, pour le cas, il y a un député invalidé, vous avez détail. La loi numéro 06/006. Cour constitutionnelle a tenu qui lobby l'équipe, plus précisément, Mokolo a lundi 15 avril 2024, audience publique pour nous examiner. La requête introduite n'a pas député invalidé, sollicitant correction, il y a erreur matérielle. Au cours de l'audience, au yo président, il y a haute cour, Dieudonné Kamuleta, a tandisi que verdict que se prononçait Mokolo a jeudi 18 avril 2024. Et c'est ba ke 134 requêtes qui introduites après que cour constitutionnelle a publié les 12 mars et les qui, bah résultat définitif, y a bah législative nationale, y a le 20 décembre 2023. Alors que, barré, y a haute cour, et pesaka lieu, n'a aucune contestation, barré, quelques alas qui tout de même enrôlé, peut examiner, sur fond, y a jurisprudence, au moko, oh, y'a dit qu'on remontait, na 2019. Barré, rendu le 12 mars, et les qui, na cour constitutionnelle, et rétabli ça qui, une quarantaine, y a bah député, na assemblée nationale, au détriment, y a 40 autres, provisoirement proclamés, na commission électorale nationale indépendante, CENI, na Mukusi. Dossier à suivre. En son audience publique de ce jour, à laquelle a siégé la présente composition. Formation et gouvernement, Premier ministre Judith Tuluka Ayambaki, Bandeko et Vital Kamere et INC, paix alliés, vous avez dit. Tout le monde a Mama, ministre Wayambo, et Tosepe Liming, Nandenge Abandi Moussala. Il y a les lois qui sont dans la formation du formation gouvernement. Les critères sont les il y a représentativité, il y a compétence, c'est-à-dire qu'il y a des il y a moi qui peux passer valeur. Je peux me mettre et puis, il y a des gens qui sont place nini tout le monde qui est mal. Il y a des gens qui sont d'accord, tout ça, le gouvernement a été mais tout ça, la paix a été mis. Mais il y a des gens qui sont et répondre à mes besoins, il y a beaucoup cannabis. Beaucoup cannabis dans les Bitumba. Beaucoup cannabis au Sénégal, Théoké, Obimi, Balamoko, 25 ministres, et Bandim Balamoko. Non. C'est 2 345 000 km, 100 millions d'habitants. Il faut tenir compte de ça. Beaucoup cannabis en France, beaucoup cannabis en Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie, beaucoup cannabis en Nzoku, c'est la RDC. Il faut que le gouvernement, il y a Nzoku, mais il y a Batoubé, il y a Sala, réellement, Mosala. Il y a mis ça tout ce pays pour la maman, Azana Moutounaye, programme, il y a 145 territoires, il y a président de la République. Donc, Bilanga, il faut Moutouali à Tebouete, et puis Bilanga pour Nagosalango, il faut Maï, il faut courant, il faut Nzela pour l'évacuation, et Kopé Sapé Misala, Nabajen, Nabiso, Lieba Tambo, la Carabazela, Kosenga Bambongo, Tango Inso. Nakanisi, Makanisina Malamo, pour Nabiso, to lobby. Congolais nyonso modor de tout le manano tout si sabitumba tout sunga ba FRDC ba si sabitumba o bazana maele mususu puisque biso to côté la qui ba rwandete to côté la qui ba ugandete pona biso soki le loka ka Rwanda lobi na Uganda ba longwe na Congo bitumbe silite boyete merci matoni na yepe modeste ba tilukwebo na bandeko ya AFDC pe allié bayamba makie pa ya premier ministre Judith Tuluka. Toya Kilelo, Kokutanana, Excellence Judith Suminwa Tuluka, Oyo Mokonzi Amboka, Auti, Kotia Naibonga, ya Premier ministre Mokambi ya gouvernement, Nabiso. Benga Kibiso, Batoya AFDC allié, Poete, Toyeba, Ndengeni Nitokoki, Kotanakati ya gouvernement, Oyo Akokamba. Nandenge boyebi po okota na kati ya gouvernement esengeli ozala na nombre ekoki po na ba député nationaux ozala pe o proposer pe bato oyo bazana mayele pe na moralité ya kokamba ba ministère c'est-à-dire que tokotala na kati ya ba proposition
ndenge nini ya tenir compte na géopolitique, ndenge nini ya tenir compte ya basi pe mibali, ndenge nini ya tenir compte na moralité na compétence. Na yango toyoka kipe vision na ye alobi ete mbala oyo changement esengeli esalema, changement positif. C'est-à-dire tout ça là peuple na biso tout ça la manso ete ba dépense o esengeli mboka ekende liboso esalema ndenge e kozala préparer na autorité budgétaire parlement. Ayebisi biso ete makambo msusu o etali composition ya gouvernement ako discuter ango na mokonzi ya mboka pona kotia maboko ya suka me na ndenge ya lobby ekomela mingi te biso na ngambo ya FDC a toza deja prêt pona kosala ba proposition na biso na yango pe to profiter to tombelie mosala molamu. Bangonde batika la sima po bazwa zéro alliance bloc 50 p bakutanaki na première ministre Judith Tuluka bozo ba détail na résumé oyo Julien Paluku asali au sortir et entretien na bango. Nous avons d'abord adressé toutes nos sincères félicitations pour le choix qui a été porté sur elle, surtout qu'elle était dans un gouvernement où elle a piloté un ministère important. Et donc, elle nous a parlé du prochain gouvernement qui doit être mis en place, dans le cadre duquel elle fait des consultations avec les acteurs politiques pour avoir leur contribution sur ce que sera le paysage politique, économique et social de demain. Nous avons été impressionnés par la maîtrise qu'elle a de la situation générale du pays pour avoir piloté le plan national stratégique de développement avec tous les indicateurs qu'elle connaît et pour lesquels elle voudrait bien avoir des acteurs qui ont une probité morale, qui ont une expertise, qui ont une compétence. Et c'est la raison pour laquelle elle a demandé à notre regroupement de devoir lui faire des propositions qui cadrent avec cette philosophie, celle d'avoir des hommes et des femmes capable de relever les défis aux côtés du président de la République parce que depuis 64 ans, eh bien, la RDC traîne à relever les défis et avec elle, eh bien, elle voudrait avoir à ses côtés des hommes et des femmes qui ont des idées novatrices, des idées qui permettront de changer les paradigmes, des idées qui permettront de passer des discours vers des actions concrètes parce que les plans, nous les avons, les programmes, nous les avons, mais ce sont les hommes et les femmes qui doivent les mettre en place qui manque. Et donc, la Première ministre nous a exhortés à devoir accompagner les 6 piliers tels que développés par le président de la République qui les a déclinés lors de son investiture et d'ici 2 à 3 jours, elle nous a recommandé de devoir déposer nos propositions sur la contribution de notre regroupement par rapport à la marche du pays sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan environnemental, de manière à faire de la RDC la locomotive du développement de toute l'Afrique. Il n'y a pas de développement sans acteurs compétents. Et donc, dans les propositions qui lui seront faites, elle a insisté effectivement qu'au-delà de la compétence, il y ait de l'expertise, mais qu'au-delà de l'expertise, il y ait la probité. Parce que, en fait, la crise morale que le Congo a connu a fait que beaucoup d'acteurs sont tombés beaucoup plus bas et donc avec elle, elle voudrait aider avec tous les autres à relever les défis pour que les acteurs qui vont être à ses côtés soient des acteurs qui lui permettent 5 ans plus tard de devoir faire une évaluation et qu'à l'issue de l'évaluation, tout le monde retrouve qu'il y a des piliers qui ont connu un début d'exécution. Elle a insisté qu'elle ne va pas se disperser dans les priorités. Il y a des priorités qui sont des éléments déclencheurs du développement sur lesquels elle va devoir appuyer l'accélérateur pour qu'elle ne tombe pas dans les dictons populaires qui dit qui trop embrasse mal étreint. Et donc, elle focalise son attention sur des secteurs prioritaires comme l'agriculture, comme la diversification économique, comme la protection de l'environnement, comme la sécurité et la paix. Parce que ce sont des piliers importants qui, si une fois ils sont rencontrés, ils ont des effets multiplicateurs sur le reste du développement de la République. Et donc nous avons été heureux de trouver la Première ministre connaissant les grandes questions et les grands défis du pays et pour lesquels elle estime devoir avoir besoin d'hommes et de femmes capables de pouvoir élever ces défis. Elle n'a pas beaucoup de temps à perdre et c'est cela d'ailleurs, c'est que l'Alliance Bloc 50
a recommandé pour dire que déjà nous sommes au premier trimestre de l'année 2024. Vous savez qu'un mandat de 5 ans, la première année est consacrée particulièrement à la mise en place des institutions. La dernière année est consacrée à la préparation des élections. Donc il n'y a que 3 ans, effectivement, qui ne reste que pour travailler. Et donc, elle voudrait appuyer rapidement sur l'accélérateur pour que dans les années qui lui sont consacrées pour relever les défis, qu'elle se concentre, comme je l'ai dit tantôt, sur des secteurs qui vont être comme des leviers du développement de l'ensemble de la République. Gouverneur de la province, ya Tshopo à Sangi Saki, Bajon, ya gouvernora. Pe ba ministre provincial Sigawa puis Atalisa Gibango, ligne de conduite, vous aurez des détails dans les commentaires. Oui. Tangu boyaka awa ezalaka pona bitumba te kasi ezalaka pona ko servir nation nde zali maloba oyo gouverneur ya province ya Tshopo maître Madeleine Nikoba Sabangu atalisaki à travers parade tenue lobeleki na gouvernora ya province liboso ya bajon ya gouvernement provincial pe ba ministre toujours na maloba na ye autorité provinciale a remercié ki bajon ya gouvernement pona volonté manifeste pe implication na bango na musala ya mikolo nyonso. Quand on vient ici, on ne vient pas pour le combat. On vient pour servir la province, pour servir la nation. Ce matin, j'ai voulu vous dire merci parce que je suis reconnaissante que nous avons traversé beaucoup de choses avec vous. Mais vous étiez toujours là. Je déresse de vous retrouver ce matin. Je vous souhaite donc un bon début de la semaine et vous recommande vivement d'aimer notre province et de travailler avec beaucoup d'amour afin que la province puisse aller de l'avant. Ah oui, Boyende Izalaka. Yankejo, oui! Chef d'état-major, il y a FARDC, le lieutenant général Christian Tshiwewe, à travers parade à Bendaki, le militaire Matoi Onyonso, à Kokuta, dans le camp de trahison, à Kozwami Beko, dans le à travers parade tenue lobby l'équipe plus précisément Mokola lundi 15 avril 2024 na Camp Kokolo chef d'état-major yaba forces armées ya République démocratique du Congo le lieutenant général Christian Tshiwewe Songesha a metaki fermement en garde ba militaire contre implication nyonso na oyetali trahison parce que nous parlons de la devise la trahison katikati na bino. Nous sommes en guerre. Mais chose grave, Tozana Batu Oyo, Bazo corrompre Bango facilement, Bazo Tindika Bango, Bakose ba acte Yamabe. Et puis, Batou Oyo, Bazo Tindika Bango, Bazaka Batou Nabiso, plus grave, des fois nos politiciens, et un secrétaire, parce que, Bolandi Landi Ango, na ba télévision, Bazo Lakisa, ba homme politique, Bazo instrumentalisé, ba militaire, na ba policier. Yango, na profité, na minute Oyo. Parce que la Lubumbashi, Bakangi, ba officier ya armée, Bakangi, ba policier ya armée, ya nani ya police, Baza na Kinshasa. Awa na Kinshasa. Tosito Kangi Kangi, ba officier mon sous, qu'on a trahison. Et avec preuve, et eux-mêmes passent aux aveux, c'est grave. C'est grave. La lingina non a tout naïo, aux âges générales, il y a FRDC, aux âges générales, il y a police, aux âges colonels, il y a FRDC,
aux colonels, à police, aux fans de la ville, aux alamamutukanayo, aux alamouasinayo, aux bananayo, aux pays, aux zongi, aux talimouasinayo, aux mati, aux zongi, aux talimouasinayo. Mais aux lingi babengayo rebelles, aux lingi vraiment babengayo rebelles, est-ce que Oyebi, signification, il y a rebelle? Il y a vraiment offendu? Aux anayos qui vient? Aux anayos, aux anayos, bien, sans problème? Mais un politicien ailleurs, au soir boyé, au kokoma boyé. On a construit ça. Lieutenant général Christian Chiwewe Songesha a réaffirmé que l'engagement n'a pas pour nous maintenir la discipline au sein des forces armées et nous respecter l'état des droits. Mais qui a trahi, trahira toujours. 350 Kouluna opérant dans la ville province de Kinshasa, Bazali Kokende. Kanyamaka c'est ses présentations na bango esalamaki mokola lobi liboso ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jean-Tini Ngobi Lambaka commandant ya service national pe azalaki wana sans oublier numéro 1 à la police ya ville province ya Kinshasa. Gouvernement provincial ya Kinshasa remetaki groupe moko ya 350 Kouluna na service national pour na transfert na bango na centre ya Kanyamaka CC à partir ya mardi 16 avril 2024. Cérémonie salamaki lobi l'équipe plus précisément mokolo ya lundi 15 avril entre gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jean-Tini Ngobi Lambaka et général Kasongo Kabouik na présence notamment ya commissaire divisionnaire adjoint ya la police nationale congolaise en charge ya ville province ya Kinshasa le général Blaise Kilimbalimba, Jean-Tini Ngobi Lambaka, gouverneur ya ville province ya Kinshasa, a remercié qui la police pour la moussala qui toko, oye salami pe a bengagi population kinoise, na collaboration na autorité compétente, afin ya kosili sambala moko phénomène kuluna oyo. Tangu azwaki maloba commandant ya service national, atalisa ki keba bandi oyo bakoza la transformé na discipline pe a prévena ki bango, ki nyonso ezala kafolo lote, Kuna na Kanyamaka CC. S'adressant à la jeunesse kinoise, général Kasongo Kabouik a dit que le service national est fouloté et Sika Kuluna Nyonso est pris en charge car c'est Zalinde et Sika pour recruter les jeunes volontaires Oyo Bazali ko souhaité ko servir nation à travers ba différents métiers. Na par naye chef ya la police en charge ya ville ya Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba a sepe la Kimakasi. Pour déjà accomplir une partie ya mission oyé pesame la kiye na bakondi pe atalisi ke ba différentes opérations ya track ba hors la loi ezali ko se poursuivre netandi mobimba ya capitale congolaise asukizaki po na kotalisa ke plus de 2000 kuluna bazali en attente ya jugement liboso ya cour militaire ya justice pe liboso ya ba différentes instances na prison centrale ya Makala. Yo Nasia Tingasani 1 tozali na commune ya Kimbanseke bakangi bakulu na kasesengeli boye bake bakangi pe général ya ekiri ya ba américain oyo ba bomaki policier mikolo l'équipe zo balite. Bout de chapeau na belemo ya la police nationale congolaise ya Siad Kingasani 1 tozali awa na commune ya Kimbanseke esika wapi batie maboko na bande ya bakulu na oyo bozali komona bana mabe oyo banyokola kaba paisible citoyen ya commune ya Kimbanseke ebele awa parmi bango bakanga bango deja batinda bango na justice kasi soki pe babimaka ndenge nini eyebani te neti oyo bozali komona azwa deja masasi na nzoto kasi ayokaka kaka te aza mutu makasi na ndenge ya kosakana te. Esengeli boye bake parmi bakulu na oyo mwana mobali oyo bozali komona yende general ya ekiri ya baamerikain bango nde babomaka policier awa mikoleleki amerikain ya sawali eye ndenge aza boye ntango babomi policier akimaka mpona nini abotolaka lisusu motu telefone mpe motu wana autokufaka mikolo bana ne baza balukaka ye akima ngai moko oyo ntango naza antene na ebaza na lukai na landa ye akima
pour la maman et à maman à la général il y a armée Amérique au état des bases associé à Amérique à Sawalit Amérique 100 kilos l'Amérique et à Sawalit dans les locaux en la tête puisque Ayebi avec ses titres d'Ayebi n'a bien ce qu'à voir à abé télé le soleil à l'occulte sur la cause bon mon point dit mon amour au commandant à Baxiawa mon bouquin à couler bac à tout ce monde à mon pack c'était n'a écrit ou à la ou à le dit Je suis un peu plus jeune que je ne suis pas. Je suis un peu plus jeune que je ne suis pas. Je suis un peu plus jeune que Parmi ne suis policiers, presque 1000 balles à prison. Je suis un peu plus jeune que je ne suis pas. Pardon? Je suis un peu plus jeune. Posez une question. Tout cet amour. Ça m'est un peu plus jeune. Parmi presque Pardon? Oui, ma commande pour le bigo d'Agina Cacho. Sco, ma commande information à tous les gens en banane. Tout ça côté mon quoi. Ah, ok. Papa, je... Commandant Yassiat Kingasani 1, le colonel Kingolo Atalisi Boye. Mais le coup là, bon, ma policier, la tine est banquetaire dans le terrain, à que vous voyez, ma commande en a. Et le coup là, on se fait là, population, nous sommes tous sur la bisou. Donc la population, Oui, la police ya siato kingasani en na commune ya Kimbanteke musala kitoko avec un pacte paix idéologie. Eh kejo. La team CPA oyo kumba maka epa ya ado moche sengel boye bake ba mbama kilobi epa ya autorité morale na bango arobase mukuna le parzuri ya autorité morale ya jeunesse nini basolo la ki gozo ba détail na commentaire oyo. Ah oui, mon colo ya lundi 15 avril 2024, yokotikala a jamais gravé na mité mayaba membre ya la team CPA po ezali mokolo ya sengo, mokolo ya échange, mokolo ya partage, mokolo moko ya prise de stratégie et sika wapi ba yamba maki epa autorité morale na bango arobase mukuna mwana mboka affectueusement appelé autorité morale de la jeunesse congolaise le parzuria de la république tangu azwaki maloba autorité morale de la jeunesse congolaise arobase mukuna a félicité kibango pona initiative oyo pe a encouragé kibango balité pona émancipation ya jeunesse pe développement ya république démocratique du Congo tout en soutenant ben fort ya chef de l'état son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fati Beton Mukuna Kontombolo. Et nous, jeunes, peut-être que nous sommes dans la chambre de district, la question 100 dollars, la question 20 dollars, mais on finit par le film. La question 20 dollars, mais on finit par le film. Profitant en occasion, ba représentant ya la team CPA, ba remercier ki autorité morale na bango, arobase mukuna, pon accueil, ainsi que orientation, o ya pesa ki bango. Voilà, comme vous le constatez, donc nous sommes la team CPA. Donc aujourd'hui, il était très nécessaire et impérieux pour nous de rencontrer notre autorité morale. Nous avons pu échanger avec lui, nous lui avons présenté la structure, nous lui avons présenté le projet. Il a été très réceptif, il nous a entendus, il nous a écoutés. Il a été pour nous, je dirais, très correct. Il nous a d'ailleurs soutenus pour l'initiative que nous avons entrepris et il nous a prodigué ses conseils. Pour nous, c'était un moment d'échange convivial que nous avons pu avoir avec notre autorité morale. Alors, vous le savez très bien, CPA,
c'est, entendez par là, les communicateurs d'Arobaz Mukuna, une structure mise en place pour les soutenir, soutenir ses initiatives, soutenir ses projets. C'est ainsi que nous nous sommes érigés pour l'aider dans ces sens. Et nous sommes très contents de la manière dont il nous a reçus et nous avons pu échanger. Et ça s'est très bien passé. On a rappelé la team CPA et les allées structures moko mise en place naba jeune pour nako soutenir peu accompagner vision ya mentor nabango moi namboka arobaz mukuna autorité morale de la jeunesse les parzouria de la République. Tala noko nyonso ezalaka théâtre te awa masolo nyonso elekaki kitoko avec un pacte paix idéologie toujours. Yankeyo. Défense, oui. Merci surtout pour la confiance, pour la fidélité. Je vous ai dit tellement. Et bien, vous avez dit plus vous avez dit que 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 vous avez champion play. Bama tabakita, baba avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous